Oh, joie, pas de courant. D'habitude, je fais plus attention à ce que je me... Non, mais j'en ai dans ma bouche. De larmes. La douche des damnés. Les voix sont plus fortes. Mais ces formes valent une prime. Là, tout de suite, j'aurais besoin d'un esprit assez primitif. Dempsey. Cette machine me déconcentre avec ses sons et ses lumières qui clignotent. Mes patients à distance. Plus de munitions. Le périple s'annonce long et difficile.
Nous devons nous armer en conséquence. Avec le bon matériel sous la main, je pourrais identifier le principe actif. Dévorer le cœur. Oh, tout ce petit monde a fait boum. Ça me donnera assez d'énergie pour ce qui nous attend. J'ai entendu dire que les ingrédients activent pour le cerveau. Je vais leur mettre du plomb dans la cervelle. Assez décérébré. Thank you.
qui risque de vous plaire. Les voix! Sont si érotiques. Sans munitions, je ne peux pas apprécier leur agonie. Les flammes des damnés. C'est vraiment trop bon. Comment se fait-il que mes poches soient vides? Elle m'a tout l'air d'être une créature délicieuse. Je dois trouver des munitions. Pas de munitions, c'est pas drôle. Sans balles. Je vais devoir me remettre à poignarder. Bien joué! Un vrai travail de maçon! Je n'ai pas de munitions. Je sens que cette arme puissante va beaucoup me plaire. Je vais pouvoir m'éclater avec une petite. Regardez, ça rampe vers moi. Ah, c'est si lumineux et mortel. Quand j'aurai fini de mâcher, j'irai cracher sur la tombe de mes ennemis.
Le docteur aurait bien besoin d'aide, là. Je suis docteur, mais j'ai sans doute causé plus de blessures que je n'en ai soigné. J'ai tellement à faire, mais pourquoi est-ce que je perds mon temps avec des choses sans importance? Regardez-les exploser si joliment. J'aurais préféré une bonne Hefeweizen. Tu es vilain, vilain! Yeah.
punition, pas de dégâts, pas de joie. Je vais pouvoir m'éclater avec mes petits. Là, tout de suite, j'aurais besoin d'un esprit assez primitif. Dempsey. Plus importante à réparer, l'univers par exemple. Mais ça bouge encore. Intéressant. Oui, mes enfants, papa arrive. Vous avez senti? J'espère que oui.
de l'exploser si joliment. Ça ne fonctionnera jamais. J'aurais préféré une bonne F-Weizen. Oui, elle m'a tout l'air d'être une créature délicieuse. Le bonheur, c'est de massacrer les faibles avec un Wunderwaffe. J'ai entendu dire que les ingrédients actifs rongent le cerveau. Je paierai cher pour ressentir ce genre de pouvoir. J'ai l'intention de payer en immobilier. Ce sont les voix qui t'ont dit de me sauver. J'ai entendu dire que les ingrédients actifs rongent le cerveau. Préférez une bonne F-Weizen. C'est vraiment cool. Je garde ces fioles de leur sang pour plus tard. J'ai tellement à faire. Mais pourquoi est-ce que je perds mon temps avec des choses sans importance? Oui, elle m'a tout l'air d'être une créature délicieuse. Oui, c'est ça, exploser. Thank you.
déjà plus de munitions. Cataloguer tous ces élixirs à base de sucre risque de prendre pas mal de temps. Je suis payé pour faire mal. Pas de munitions, pas de dégâts, pas de joie. Les tests médicaux sur ces Gobble Gums sont actuellement en cours. Je ne sais plus si je dois avaler ou recracher. Thank you.
Ces distributeurs de boules de gomme bizarres partout. Cette fois, peut-être que ces planches feront gagner à Nicolas et le temps qu'il lui faut. Reculez ! Je vais tester son efficacité. Mon travail sera bientôt détruit. Je le sais. Ma progression ne doit pas être limitée par ma pauvreté.
ils ont tous été soufflés. Oh, cette arme a été conçue pour moi. Ça fait une éternité que je n'ai pas tenu un marteau. On doit rejoindre le téléporteur. Thank you.
Ce doit être ici qu'ils fabriquent leurs beignets. C'était bizarre. Je me sens un peu revigoré. Une écœurée. Les flammes des damnés! La phase 12. La fin est proche. Très, très proche. Munition, Max! Oui, je vais semer la mort. Attendez, trois. Chaise. Double point. Je vais triompher avec ça. Non, je suis à sec. Si petit et si meurtrier.
Avec le matériel approprié, je pourrai identifier le principe actif. Au moins, je serai fixé. Je triomphe à nouveau! Il a une combi, mais c'est un zombie! 100 balles, je ne peux plus opérer! Oh! I'm sorry.
Ces arbres ne sont pas normaux. On devrait les détruire. Mes patients. Oh, sa mort a été silencieuse. Mais il est bien mort. De ne plus oublier ton anniversaire. On va bien s'amuser, y'a ? Je ne me rappelle même pas la dernière fois où j'ai fait un vrai repas. Ça dégage des sinus.
exactement ce que je voulais faire. C'était il y a longtemps, sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Deux scientifiques voulaient absolument réussir à maîtriser des forces sombres et mystérieuses, enfouies depuis des siècles. Ils pensaient que leur découverte assurerait la victoire finale de l'Allemagne. Mais ils n'auraient jamais imaginé ce que leur recherche allait révéler. Un mal ancien ravageait les lignes de front. Les alliés comptaient sur 3 soldats envoyés contre la menace.
Samantha, je vais vous raconter comment tout a commencé. Je suis en vie. Oh, le cerveau. Où est le cerveau? J'ai terminé l'opération. Et puis le robot a attaqué. Non, Maxis doit attendre. Ils vont bientôt revenir. Je dois préparer une défense. Lancer les générateurs de conversion. J'ai beaucoup à faire. Un réceptacle pour Maxis, les bâtons, l'ouverture du portail. Personne n'oserait prendre le bonbon d'un enfant. Moi, si. D'ailleurs, je crois que j'ai déjà fait. Les dessins à la craie sont apparus pendant la nuit. Il reste parfaitement inconnu. Comment je suis censé travailler alors que tout autour de moi résonnent les voix des damnés et des âmes maudites? Un peu de calme, Edvard. Concentre-toi. J'ai été mordu? Griffé? Non. Je fais de la paranoïa. Je ne dois pas oublier les conseils de Maxis. Les pôles, les bêtes.